Bonjour, bienvenue au sport international. Le Canadien de Montréal qui s'incline par la marque de 4 à 3 face au Kraken de Seattle lors du retour des partisans au Centre Bell, une aréna qui était à 100% de capacité maintenant. Et bien ça, moi je trouvais que ça a quand même été un bon match. Je trouvais qu'on aurait peut-être mérité un meilleur résultat. Mais il y a des défaites comme ça et c'était vraiment, vraiment serré et ça a pris 8 tirs de barrage avant que le Kraken l'emporte en tir de barrage par la marque de 4 à 3 au total. Donc, moi je trouvais comme il y a énormément de positif de ce match. C'était le retour de Joel Edmondson. Lui qui n'avait pas joué depuis les séries éliminatoires. C'était son premier match cette saison. Et je trouvais qu'il a bien fait. On a revu un peu le Edmondson de l'année passée. Un gars qui peut être agressif, qui ne fait pas d'erreur. Et en général, juste aide l'équipe beaucoup défensivement. Donc ça faisait du bien de le revoir. Sinon, bon, les marqueurs, ben, en fait, les Kraken a pris devant 1-0 en première période et c'était un but en désavantage numérique. Un manque de communication entre Motobo et Wideman. Et c'est Yanni Gourde qui a marqué, mais le Canadien a créé l'égalité avec un but de Michael Pezzetta. Mais le Kraken a marqué de nouveau en première période. Ryan Donato a fait 2-1. Et par contre, le Canadien a quand même bien commencé la deuxième période, mais par la suite c'était très difficile. Et c'est Jared McCann, désolé, qui a marqué pour faire 3-1. Et ensuite, même si le Canadien ne semblait plus avoir de vie, on a commencé la troisième période très fort. Romanov a marqué, il a fait 3-2. Puis après, on a eu plusieurs chances de marquer. Et finalement, un but très chanceux pour forcer la prolongation, celui de Nick Suzuki. En fait, c'est Larson qui a marqué dans son propre but. Suzuki a tenté de trouver Romanov et Larson a dévié dans son propre but. Et sinon, après, c'est en tir de barrage, ça a pris 8 tirs pour chaque équipe. Sans but avant que Johansson marque Marcus Johansson avec une bonne feinte pour donner un victoire au Kraken. En tout cas, je voudrais commencer par parler de Nick Suzuki qui a réussi un autre but. Il trouve de plus en plus sa confiance et il lui a fallu de la chance, mais il continue à avoir des points. Et on aime tous savoir quand Suzuki a des points puisque c'est l'avenir de cette organisation. Ensuite, un mot sur Alexander Romanov. C'est un autre match avec lui, puis j'adore un autre bon match pour lui, puis j'adore comment il joue avec Ben Chiarot. Je trouve que Ben Chiarot l'aide vraiment à grandir, à devenir meilleur joueur, puis ça se voit dans son jeu défensif. Il a semblé meilleur offensivement. Et c'est pour ça que ça va être dommage, parce que le Canadien va échanger Chiarot à la dernière minute de transaction, si c'est déjà confirmé, puisqu'on a trop peur de le perdre à la fin de la saison, si jamais on l'aurait pas échangé. Mais ça va être une grosse perte, à cause surtout de quelqu'un qui va aider Romanov. Mais bon, on peut en trouver d'autres cet été. Donc, sinon, aussi, Michael Pezzetta, c'est un solide match pour lui. Il a rejoint la formation, il a joué dans ce match à la place de Laurent Dauphin. Et j'ai vraiment aimé comment il a joué. Il a marqué un but. Et dans les tirs de barrage, il a été envoyé pour tirer le 8e tir. Mais malheureusement, et puis c'était très, la foule était en délire là, c'était incroyable. Et puis il a pas réussi à marquer par contre, mais c'était quand même un excellent match pour lui. Donc, mission accomplie pour Pezzetta. Mais c'est ça montre à quel point Martin Saint-Louis a confiance en lui de l'envoyer dans les tirs de barrage. Sinon, le truc qui a changé ce match, c'est les unités spéciales. C'est l'avantage numérique des Canadiens. 0 en 6 aujourd'hui. Et non seulement on marque pas, mais on alloue un but. C'était le premier but, en fait, celui de Gourde. Mais ça, il faut améliorer l'avantage numérique parce que 0 en 4 contre Vancouver, à Vancouver, puis 0 en 6 aujourd'hui, puis en plus on a loin un but, il y a quelque chose qui va pas, faut te retrouver un peu qu'est-ce qu'on faisait contre Edmonton, il faut être précis, il faut bien se placer, il faut être en contrôle, faire des tirs, avoir des rebonds, etc. Il faut vraiment que cet avantage numérique débloque parce que je suis sûr que le Canadien peut remporter ce match si cet avantage numérique marque un ou deux buts, ou bien au moins qu'il gagne du rythme, cet avantage numérique. Mais c'est ça, on a loin un but et ça a été vraiment le point tournant là. Puisque les trois buts du Kraken, c'était un en désavantage numérique, un dans leur avantage numérique et un à 5 contre 5. Donc ça, les unités spéciales ont fait toute la différence aujourd'hui.
En tout cas, ça, c'est les deux pires équipes de la Ligue qui s'affrontaient. Mais c'est ça, c'est deux équipes qui se cherchent. Cette fois-ci, c'est les Kraken qui l'emportent. Les Kraken qui remportent, imaginez-vous, seulement une deuxième victoire en 13 matchs. Dans leurs 13 derniers matchs. Donc, ça allait vraiment pas bien pour eux. Et je suis convaincu que ça va être une victoire qui va leur faire énormément de bien. Surtout à leur gardien, Philip Grubauer, qui connaît une saison plus que décevante, soi-disant, avec une efficacité de 887 avant ce soir. Mais ce soir, il a connu un excellent match. Pour finir, je veux dire que Ryan Pitlick a un autre solide match. Puis, il y a tellement de joueurs que j'aime quand même offensivement dans cette équipe des Canadiens. Puis, je pense vraiment qu'on doit être content qu'on a plusieurs options. On a des gars comme Pitlick, Evans, Lekkonen, Dauphin, Pezetta, Byron. Pour moi, ça, c'est des joueurs qui vont être très importants. Puis, j'espère qu'on va garder la majorité de ceux-là. Parce que c'est des joueurs qui vont pouvoir jouer qui sont fiables comment on appelle ça en anglais, bottom six. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus, les genres de joueurs comme Drouin, Dvorak ou bien même Hoffman, etc. C'est plus ce genre de joueurs qu'il va falloir échanger parce que c'est ça, il y a plusieurs joueurs qui sont en train de trouver Martin Saint-Louis sont en train de trouver confiance. Alors, merci de m'avoir écouté et bonne soirée.